Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, bienvenue à cette messe de Pâques dans la basilique de Notre-Dame de Pomain. Nous sommes nombreux à nous réunir aujourd'hui pour célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un grand jour pour les chrétiens, partout dans le monde. Frères et sœurs, aujourd'hui je voudrais prier avec vous particulièrement pour ma maman qui vient de nous quitter la semaine dernière, le jour du Jeudi Saint.
Et prions aussi pour tous ceux qui sont dans le deuil. Je salue ma famille et mes proches qui se joignent à cette messe pour la retransmission sur Internet. Frères et sœurs, entrons dans la joie et l'espérance de la fête pascale en reconnaissant que nous sommes tous sauvés par le Christ et il nous lave de tous nos péchés. Frères et sœurs bien-aimés, nous allons maintenant asperger de l'eau bénite de Pâques en mémoire de notre baptême pour la rémission des péchés. Que Dieu nous vienne en aide afin que nous demeurions fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie nous rende dignes de participer à la table de son royaume par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Jésus-Christ.
Aujourd'hui, Seigneur Dieu, par ton Fils unique vainqueur de la mort, tu nous as ouvert les portes de l'éternité, tandis que nous fêtons solennellement la résurrection du Seigneur, nous t'en prions. Accorde-nous d'être renouvelés par ton esprit, pour que nous ressuscitions dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Amen.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, ne savez-vous pas qu'un peu de levain suffit pour que fermente toute la pâte? Purifiez-vous donc des vieux ferments et vous serez une pâte nouvelle. Vous qui êtes le pain de la Pâque, celui qui n'a pas fermenté. Car notre agneau pascal a été immolé, c'est le Christ. Ainsi, célébrons la fête, non pas avec de vieux ferments, non pas avec ceux de la perversité et du vice, mais avec du pain non fermenté, celui de la droiture et de la vérité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Seigneur est bon, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Israël, éternel est son amour. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: on a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus. Non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Seigneur Jésus. Les disciples bien-aimés entra dans le tombeau, in vit et in crut. Voilà la phrase que nous devons méditer aujourd'hui. Voilà l'exemple que nous devons suivre si nous voulons être nous aussi des disciples bien-aimés de Jésus-Christ. Le matin de Pâques, le lendemain de la crucifixion, le disciple bien-aimé est entré dans le tombeau, in vit et in crut. Mais qu'est-ce que ce disciple voit exactement? Il voit la pierre roulée, il voit le tombeau vide, il voit les linges posés à plat et le suaire roulé. Pourquoi ces linges sont là? C'est bien étrange. Si des personnes avaient amené le corps de Jésus,
Elle n'aurait pas pris le temps de défaire ses linges et encore moins de les plier et de les ranger chacun à sa place. Le tombeau ouvert et vide a donc gardé les signes de la libération qui s'est produite à l'intérieur. Le ressuscité laisse derrière lui les liens de la mort. Cette libération nous rappelle celle de Lazare de Béthanie, l'ami de Jésus. Il était mort depuis plusieurs jours, mais seulement à l'appel de Jésus. La mort s'était relevée et il était sorti du tombeau. Les pieds, les mains liées par des bandelettes et le visage enveloppé d'un suaire. Alors Jésus avait dit solennellement, « Déliez-le et laissez-le aller. » Ainsi le jour de Pâques, ce que le disciple bien-aimé doit faire, c'est interpréter le signe. Le signe des linges lui fait comprendre que Jésus est libéré de la mort. Il vit les linges et il crut. Oui, frères et sœurs, nous sommes tous confrontés dans nos vies au vide, à l'absence. Cela peut venir d'un décès, d'une rupture, d'un échec, d'une maladie. Nous sommes tous, à ces moments-là, remplis de questions, voire d'angoisse. Pourquoi cela arrive? Comment est-ce que je vais continuer à vivre? Comment est-ce que je vais surmonter ces difficultés? Oui, nous sommes souvent dans un tombeau vide, perdu. C'est à ce moment-là qu'il faut ouvrir les yeux pour voir les signes de vie qui nous entourent. Voir ces signes, les interpréter, c'est cela, ouvrir les yeux de la foi. Voir et croire. Alors c'est la lumière qui renaît. Dieu nous a promis qu'il serait avec nous jusqu'à la fin des temps. Il ne peut pas nous laisser seuls dans un tombeau vide et noir. Dire que Dieu est vivant, c'est affirmer qu'il me donne aujourd'hui des signes que la mort, la solitude, l'angoisse, la haine ne peut pas avoir le dernier mot. Les signes de la résurrection sont multiples. Il faut ouvrir les yeux de la foi pour les voir. Parfois, il est difficile de croire à la résurrection du Christ pour beaucoup de nos contemporains. Et que dire? Regardez-les. Et les signes de la résurrection. Regardez ces familles chrétiennes où circule l'amour, la confiance. Regardez ces jeunes qui entrent au séminaire, dans la vie religieuse, avec une grande générosité. Regardez ces personnes qui se retrouvent seules. Je pense aux veuves et aux veufs, mais qui, dans la prière quotidienne, trouvent une force qui leur permet d'aller de l'avant. Regardez ces malades, ces personnes handicapées qui offrent leur souffrance à Dieu, qui continuent à sourire à la vie. Oui, il y a une multitude de signes de la résurrection autour de nous, car il y a une multitude de personnes qui vivent en ressuscité. Oui, frères et sœurs, c'est la grande leçon de Pâques. Dieu est sorti du tombeau pour que nous aussi sortions de nos tombeaux, de nos prisons, pour vivre notre vie pleinement,
avec l'esprit de Pâques, nous continuons le chemin jusqu'au jour où nous rencontrerons le Christ face à face dans la lumière de la résurrection. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, par le mystère pascal, nous avons été mis au tombeau avec le Christ dans le baptême, afin que nous menions avec lui une vie nouvelle. C'est pourquoi, après avoir terminé l'entraînement du carême, renouvelons les promesses faites au moment de notre baptême, que nous avons renoncé à Satan et à ses œuvres, et promis de servir Dieu dans la Sainte Église catholique. Ainsi donc, renoncez-vous à Satan. J'y renonce. Renoncez-vous à toutes ses œuvres, c'est-à-dire au péché. J'y renonce. Renoncez-vous à toutes séductions qui conduisent au péché. J'y renonce. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, renoncez-vous au péché. J'y renonce. Pour échapper au pouvoir du péché, renoncez-vous à ce qui conduit au mal. J'y renonce. Pour suivre Jésus-Christ, renoncez-vous à Satan, auteur et instigateur du péché. J'y renonce. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Je crois. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé par le pardon des péchés, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus, notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, exauce-nous.
pour que la bonne nouvelle de cette résurrection illumine notre Église synodale et en particulier les baptisés de cette nuit pascale. Faisons monter notre prière vers le Christ ressuscité. En ces temps où les forces du mal semblent toujours plus progresser dans plusieurs coins du monde, prions pour que les responsables politiques qui œuvrent ensemble pour la paix, la sauvegarde de la nature et la dignité des plus pauvres soient remplis de courage et de persévérance. Prions le Christ ressuscité. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Avec le pape François, portons dans notre prière toutes les personnes martyrisées à cause de leur foi, qu'elles soient pour leur entourage et le monde entier signe de vie. Faisons monter notre prière vers le Christ ressuscité. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Que toute notre communauté fasse éclater sa joie et la partage en découvrant combien elle est comblée du bonheur de communier à la vie du Christ ressuscité. Rendons grâce et prions le Christ vivant. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Christ ressuscité, qui se tient au milieu des croyants, rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ses appels, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, tu es salut. Dans l'exultation de la joie pascale, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, de manière admirable, naît à la vie nouvelle et reçoit sa nourriture par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore de te glorifier aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit la mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Dieu est vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ, par lui que tu as élevé à ta droite. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fit librer, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction,
et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, afin que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Matthieu, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Souviens-toi des baptisés de Pâques que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, en ce jour, le Christ est ressuscité. Donnons-nous un geste de paix. Amen. La force du ressuscité avec toi. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
une pierre angulaire. La pierre que les bâtisseurs avaient rejetée est devenue la tête d'angle du temple non fait de Manon. Le Christ est suscité des morts par sa mort. Les membres de son corps.
Frères et sœurs, je compte sur vous pour avoir des figures et des visages de ressuscités auprès de vos frères et sœurs, ayant des gueules de ressuscités. Voilà quelques annonces. D'abord, nous sommes de tout cœur avec le Père Alexandre et sa famille, et nous l'entourons de notre affection, et il accompagnera jusqu'à sa dernière demeure sa maman vendredi. Nous remercions aussi le Père Hermann qui est venu exprès de Lyon nous aider, lui aussi missionnaire au Blas de Marie Immaculée. Nous prions à ses intentions aussi et à sa famille. Aujourd'hui, cet après-midi, à 15h30, ici à la basilique, chapelet, vêpres et salut du Saint-Sacrement, avec la deuxième messe dominicale à 17h. Je vous rappelle que les magasins ont été fermés pour le dimanche de Pâques. On est d'abord dans la prière et l'action de grâce, et puis qu'il n'y a pas de confession aujourd'hui ni demain, lundi de Pâques. Voilà. Donc c'est important de pouvoir revenir quand il faudra, mais n'ayez pas peur, le Seigneur vous a déjà pardonné. Je vous souhaite une bonne fête de Pâques. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, ne cesse pas de veiller avec tendresse sur ton Église, afin que déjà renouvelée par les sacrements de Pâques, elle parvienne à la lumière de la résurrection par le Christ notre Seigneur. Recevez la bénédiction solennelle du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en ce jour où nous célébrons la solennité de Pâques et dans sa bonté qui vous protège des assauts du péché. Amen. Il vous régénère pour la vie éternelle par la résurrection de son Fils unique, qu'il vous comble de la vie sans fin. Ils sont finis les jours de la passion du Seigneur. Vous qui célébrez avec allégresse la fête de Pâques, venez avec son aide, prends part en exultant aux fêtes qui s'accomplissent dans la joie de l'éternité. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ, allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Joyeuse Pâques à tout le monde. Page 133. Page 133.
Ah, j'ai oublié de vous dire qu'il y a la vente des gâteaux de l'école Saint-Michel, je crois. Faites-leur bon accueil à ces enfants et à leurs accompagnatrices. Merci. L'école Saint-Michel.